Alors, bonjour chers élèves, chers parents et amis qui nous suivent de partout. Moi, c'est Monsieur Bruno Motandi, professeur de philosophie au lycée de la Révolution. Et je suis là justement pour vous présenter la leçon du jour. Donc, je m'adresse particulièrement aux enfants, aux élèves de classe de terminale littéraire et scientifique. Avant que nous puissions commencer notre leçon, j'aimerais vous rappeler qu'on ne peut pas justement revenir en arrière sur les notions précédentes, parce que vous, les deux séries, le deuxième chapitre, vous ne terminez pas avec les mêmes notions. La terminale littéraire, vous terminez par la notion d'autrui, et la terminale scientifique, vous finissez avec l'inconscient. Donc, impossible que je revienne ici pour vous poser des questions sur les notions précédentes-là. Donc, je demande justement votre attention, que chacun de vous, là où il est, qui prenne son stylo pour noter l'essentiel de ce qui va se dire aujourd'hui sur la leçon du jour. Alors, sans trop tarder, notre leçon va porter sur le troisième thème, donc logique et connaissance. Logique et connaissance. Et nous pouvons donc nous interroger d'abord. Qu'est-ce qu'on entend par la logique? Et qu'est-ce qu'on entend par la connaissance? C'est d'abord ça le centre de notre cours. Alors, nous savons qu'à titre introductif, l'homme est le seul être qui est animé justement par le désir de connaître et le seul qui est logique dans son style de vie. Mais c'est pour dire que, en termes généraux, la logique et la connaissance font partie des caractéristiques de l'homme. Donc, en d'autres termes, ce sont des aspects essentiels dans la définition de l'être humain. Donc aujourd'hui, nous allons pouvoir étudier notre première partie par rapport aux deux thèmes, aux deux notions qui sont là. Et nous allons d'abord nous fonder sur la logique, en réalité sur la logique. Sur la logique. Et nous allons voir quel est l'intérêt de la logique et comment on peut définir cette notion-là. Et quel est son historique, c'est-à-dire son histoire? Est-ce que le terme commence aujourd'hui avec nous, tel que nous faisons cours aujourd'hui, ou le concept a déjà été employé depuis des années, et dans quel style et dans quel cadre que le terme est employé? Donc, vous prenez d'abord vos stylos, et que vous notez l'essentiel des aspects que nous allons évoquer ici dans le cours. Alors, nous savions préalablement que lorsque nous parlons de la logique, il y a d'abord l'idée de ce qui est judicieux, ce qui est cohérent et effectivement ce qui est juste ou bien rationnel. Dans l'idée de la logique, nous avons effectivement l'esprit du bon sens. L'esprit du bon sens, c'est-à-dire de la raison, du respect des lois ou des règles. Et quand nous parlons généralement d'un homme logique, à quoi nous faisons allusion, un homme logique, c'est celui qui, effectivement, est animé par le respect des principes, par le bon sens, et celui qui est rigoureux, non seulement vis-à-vis de lui-même, mais aussi envers les autres et dans le respect des principes de vie qui nous réglementent. Alors, déjà, quand nous voyons déjà cela, quand nous disons que la logique est là justement dans le cas de redresser effectivement ce que l'homme est, dans le cas de nous donnant en mémoire l'esprit de respect, l'esprit de cohérence dans tout ce que nous disons, l'intérêt déjà y est déjà là. Nous voyons déjà son intérêt qui est là. Son intérêt qui est là. Le mot, en réalité, vient du grec. Le mot vient du grec et il signifie logos. Donc logique veut dire logos. C'est un mot grec qui signifie logos. Ça vient du grec logos, qui signifie effectivement parole, qui signifie parole, qui signifie verbe, qui veut dire en d'autres termes raison, ou on peut parler de discours. On peut parler de discours.
Voilà ce que désigne l'étymologie du mot logique. C'est pour dire quoi? La logique est sortie d'une analyse de la parole. Par étymologie, nous voyons cela. Donc, c'est un terme qui est sorti d'une analyse de la parole. Et effectivement, par définition, la logique devient ici comme l'étude des lois du raisonnement. Donc, il s'agit d'une science qui permet à l'être humain de bien raisonner, de bien penser en vue de constituer une conception qui soit cohérente. Voilà, parce que d'ailleurs, dans ce terme, nous avons l'esprit du bon sens. Le bon sens, c'est ce qui est raisonnable. Donc, la mission de la logique, c'est nous ramener à pouvoir réfléchir, à pouvoir penser de façon un peu plus rationnelle, de façon un peu plus logique, de façon un peu plus authentique. Donc, ce n'est pas n'importe quelle manière de faire, et c'est justement, elle est là, et sa mission, c'est justement de distinguer effectivement les qualités de nos discours. Donc, voir le discours qui est bien fondé avec un discours qui est mal fondé, c'est-à-dire un discours vrai avec un discours faux. Et voilà pourquoi ici, notre leçon va d'abord, un, porter sur la définition de logique. Donc, ici, ce qu'on peut signer avec vous comme préalable ou contraire, c'est que nous devons comprendre qu'à la fin de cette leçon que nous prenons là, la définition de ce concept-là, que vous serez tous capables, à partir de ce que nous allons donner, ce que vous allez prendre comme note, que chacun de vous soit à mesure de définir toute l'approche de la logique. C'est ce que je vous dis bien. Avant de pouvoir tout démarrer, ce que je dis, je répète, qu'à la fin de cette leçon, qui est portée sur la définition de la logique, donc vous, élèves de terminale, vous devez être chacun capable de pouvoir définir toute l'approche de la logique. Alors, je reviens ici. Voilà, la leçon là, c'est portée sur la logique. Et préalable, nous avons au petit 1 la définition du mot logique. C'est tel que je viens de le dire tantôt dans l'explication, que ce concept de logique là vient d'une analyse de la parole. D'une analyse de la parole, c'est un mot qui vient du grec logos, qui veut dire parole, verbe, raison ou notamment le discours. Et à partir de cette dimension, cette appréhension étymologique, on a deux sens qu'on peut donner au concept de logique. Nous avons le sens classique, le sens traditionnel, et nous avons effectivement le sens moderne. C'est-à-dire l'usage que nous faisons couramment dans la vie actuelle. Quand nous entendons parler de logique, quelle idée que nous en faisons? Donc, au sens classique, la logique se définit comme étant l'étude des lois de la pensée. Voilà ce que nous avions dit ici. La logique est l'étude des lois de la pensée ou du raisonnement. Donc, selon la fonction que lui donne Aristote, la logique sert d'analyser les types de discours, donc de distinguer un discours vrai à un discours faux. Donc, l'usage de la logique, c'est de nous redresser de la manière que nous faisons, que l'homme soit honnête, l'homme soit intègre, l'homme puisse respecter les principes lorsqu'il parle, qu'il soit en accord avec les mots, la rigueur des mots qu'il utilise, qui n'est pas un désordre. Voyez donc, en d'autres termes, nous continuons là, en d'autres termes, l'intérêt de la logique, donc, est d'établir les règles des formes, les règles de forme de discours, les règles de forme auxquelles le discours doit obéir pour être vrai. Pour être vrai. Vous comprenez? En d'autres termes, il faut dire quoi? Que l'intérêt de la logique, effectivement, c'est de nous établir les bases sur lesquelles notre raison doit prendre appui pour constituer effectivement la connaissance. Et peu n'importe quelle connaissance, mais la connaissance qui doit être cohérente et plus rationnelle. C'est cela. Donc la suite, c'est ce que nous allons peut-être voir. Je fasse d'abord le tableau pour montrer d'abord un ce qui vient, pour compléter la définition que nous avons donnée ici de la logique. Alors, donc son intérêt effectivement, c'est d'établir les règles de forme auxquelles le discours doit obéir pour être vrai. Et la suite, c'est ça. Nous disons encore que
Elle, en réalité, effectivement, elle étudie, en un mot, disons, la logique étudie. La logique étudie, à cet effet, disons, la logique étudie, à cet effet, la relation, nous disons qu'existe la relation qui existe entre le sujet, et effectivement le prédicat. Entre le sujet et le prédicat. Voilà effectivement l'intérêt que nous pouvons accorder à ce concept-là. Donc la relation qui existe entre le sujet et le prédicat. Alors, c'est quoi le sujet? C'est quoi le prédicat? Ce que je dis, c'est quoi le sujet? C'est quoi le prédicat? Nous parlons là qui existe entre le sujet et le prédicat. Donc, c'est quoi le sujet? C'est quoi le prédicat? Le prédicat ici, effectivement, est compris comme ce qui, effectivement, est dit, ce qui est affirmé ou nié dans notre discours. Et nous allons prendre un exemple tout à l'heure là, des formes de discours à partir desquelles nous pourrons effectivement vous montrer c'est quoi un prédicat dans un discours. Voilà ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, nous disons ici que l'intérêt de la logique, comme je reviens pour récapituler, c'est celle-là qui consiste à faire à ce que notre raison puisse prendre appui sur les bases nécessaires afin de pouvoir effectivement élaborer une connaissance qui soit logique. Voilà, c'est ça ce que je veux dire. Et ce concept a une histoire. Ce concept a une histoire que nous devrons effectivement regarder et avec qui cette notion a commencé, en vertu de quoi et dans quel contexte ce concept-là, effectivement, a été employé selon les époques. Alors, sans trop tarder, nous allons simplement voir l'historique de ce concept. Nous allons essayer de voir l'histoire de ce concept. Alors, donc nous avons là au petit 2. Nous mettons le petit 2. Nous avons historique. Nous avons historique du concept logique. Voilà, historique du concept de logique. Alors, comment le concept a été employé et comment aujourd'hui nous appréhendons ce terme-là? Est-ce que cette notion est redevable d'un auteur précis? Y a-t-il quelqu'un qui en a fait usage, qui en a fait un problème philosophique? Et dans quel contexte en réalité? Voilà aujourd'hui ce que nous allons voir. Et nous disons que le concept de logique a une très longue histoire. Et dans l'histoire de la pensée, et nous comprenons bien que c'est Platon qui s'est vite rendu compte effectivement de l'usage des problèmes que pose le langage chez l'homme. Et effectivement, à partir de cela, il a écrit certains dialogues, effectivement, qui consistent à engager ce débat autour des notions où il est metteur en scène, face à Socrate qui est là, avec d'autres interlocuteurs. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il use effectivement de certaines questions pour justement comprendre la capacité intellectuelle, la capacité, effectivement, de la rhétorique de l'interlocuteur qui est en face de lui. Et on parle de ça, c'est l'art, effectivement, d'accoucher, vulgairement, comme vous parlez, l'art d'accoucher les esprits. C'est le Socrate, on parle de la maïeutique. Vous voyez, donc ici, il était question de voir ceux qui ont cet art de parler. Donc, en réalité, Platon ayant mis d'abord en place, ayant compris d'abord ces difficultés du langage,
Alors, il n'a pas abordé une notion, la notion de logique comme telle. Et c'est Aristote qui fait d'abord de ce concept-là un problème philosophique concernant la philosophie du langage. Vous comprenez? Et dans ses écrits, lui-même, il n'a pas parlé en termes de logique. Mais Aristote parlait en termes d'analytique. Donc tous ses écrits, tous ses travaux qui sont liés à la logique, sont formulés sous le titre d'analytique ou l'instrument. Le titre d'organon. L'organon ou d'abord l'instrument. Et le mot qu'il emploie bien dans ses écrits, c'est l'analytique. C'est l'analytique. Donc l'analytique, selon sa position, est définie ici comme étant la décomposition, effectivement, d'un discours en figure du syllogisme. En figure du syllogisme. Mais qu'est-ce que nous entendons ici par le syllogisme? Donc, Aristote définit le syllogisme ici comme étant un discours qui est composé, effectivement, de trois propositions, dont les deux premières sont appelées les prémices, et effectivement, la troisième proposition est la conclusion. Est la conclusion. Et selon lui, un prémisse, ou une, la prémisse dans une proposition, sont les deux premières propositions dans un discours qui affirment ou nient quelque chose. Qui affirment ou nient quelque chose. Et effectivement, à partir de cette analyse du langage, Aristote parvient effectivement de pouvoir analyser ou déterminer à partir de cela un discours qui est faux, un discours qui est vrai, tenant compte de la forme d'un syllogisme. Tenant compte de la forme d'un syllogisme. Donc, je reviens pour ne pas dire, il parle du syllogisme. Il faudrait que je vous écris ce mot au tableau. Un syllogisme, effectivement, c'est... Bon, vous m'excusez de d'abord d'enlever là pour ne pas que vous soyez un peu dans la confusion. Un syllogisme, tant que dit Aristote, est une proposition ou un discours dans lequel, nous disons cela, dans lequel, voilà, certaines choses... dans lequel certaines choses, étant données, virgule, quelque chose d'autre, que ces données, quelque chose d'autre que ces données, en résulte, quelque chose qui s'est donné, en résulte par le seul fait de ces données. Par le seul fait de ces données. Voilà. Ça paraît très compliqué, mais un peu c'est trop facile. Qu'est-ce que Christophe veut dire par là? Que un syllogisme, justement, c'est un discours à partir de quel on peut tirer la conclusion dans les prémices, dans les premières propositions, nous disons. Donc, c'est un discours qui a trois formes. Et la conclusion d'un syllogisme est tirée des prémices que nous avions parlé au départ. Dans les deux premières propositions du discours, la conclusion est tirée par là. Donc, en disant quoi? Dans lequel certaines choses étant données, quelque chose d'autre que ces données, en résulte par le seul fait de ces données. Ça veut dire quoi? Nous disons, et quand nous fondons notre discours, nous faisons notre discours, et de ce discours doit résulter effectivement une conclusion en vertu de ce qui est déjà dit dans les deux premières propositions que nous avons appelées les prémices. Voilà, chez Aristote, le syllogisme est celui-là. Et toute sa logique est fondée sur le syllogisme. Toute la logique est fondée sur le syllogisme. Donc, et il pense bien que, effectivement, un syllogisme qui est bien fondé, c'est celui-là qui doit effectivement comporter ces trois propositions que nous avions justement indiquées, que les deux premières sont les prémices et la troisième c'est la conclusion.
Et que dans ce syllogisme-là, la conclusion doit partir de cela. Au cas contraire, le syllogisme est faux. Voilà pourquoi lui parle effectivement ici de la vérité logique comme étant une vérité effectivement formelle. Ce n'est pas une vérité qui tient compte du contenu, mais qui tient compte effectivement de la forme d'un discours. Voilà, cher Aristote, c'est cela. Et en tenant compte de cela, nous allons quand même essayer un peu de montrer, c'est-à-dire à partir de ce que Platon, qui était le premier à avoir pris connaissance des difficultés ou des problèmes que pose le langage, et déjà le problème de la logique est parti de lui, et c'est Aristote maintenant qui en a fait un problème philosophique du point de vue de la philosophie du langage. Et nous allons voir quand même ici l'historique de ce concept, que prenez vos stylos, je vais aller doucement, que chacun prenne note sur l'historique de ce concept logique. Donc nous avons là le petit 2, en réalité, le petit 2, nous avons dit historique du concept. Historique du concept. Bon, le concept que nous faisons allusion là, ce n'est pas n'importe lequel, il s'agit ici de la logique que nous parlons. Nous l'avons défini ici, et ici, nous allons voir un peu l'historique, comment le terme est employé, quelle est son évolution dans l'histoire de la pensée. Aujourd'hui, quand nous parlons de logique, est-ce que nous avons le même sens que celui employé dans l'Antiquité par les Platon ou d'autres philosophes? Donc, vous prenez note, nous allons dicter l'essentiel sur l'historique de ce concept-là. Disons ceci, le concept de logique a une longue histoire. Le concept de logique a une longue histoire dans la tradition philosophique. Voilà, une longue histoire dans la tradition philosophique. Voilà, une longue histoire dans la tradition philosophique. Un point, il commence, non pas certainement, avec Platon, ni avec Aristote, Voilà. Mais, c'est Platon qui est, c'est Platon qui a vite pris conscience, nous disons, des problèmes que pose le langage. C'est Platon qui a pris conscience des problèmes que pose le langage. Et notamment, l'usage qui peut être fait. Voilà. Et notamment l'usage qui peut en être fait. Voilà, disons, pour bien.
pour bien, et notamment les gens qui peuvent en être faim, pour bien parvenir, à la connaissance. Pour bien parvenir à la connaissance. Voilà. Donc, vous voyez déjà là, première dimension, c'est une présentation. Nous n'avons pas voulu aller un peu trop loin pour commencer à certainement qui en ont parlé avant Platon. Mais nous avions compris bien que c'est Platon qui, à travers ce dialogue, a bien pris conscience des problèmes que notre langage connaissait. Et à partir de là, il a posé comme les fondements, effectivement, de la philosophie du langage que nous appelons aujourd'hui la logique. Et la suite, ce que nous allons voir, c'est Aristote, effectivement, que nous allons voir à la fin. Vous prenez cela avant de... Alors, cependant, virgule, l'emploi. Cependant, virgule, l'emploi de ce terme. Comme étant une science. L'emploi de ce terme comme étant une science du raisonnement. Est attribué à Aristote. Voilà. Est attribué à Aristote. Vous comprenez? Donc, est attribué à Aristote. Et la suite, c'est que Aristote est donc, bon, on peut effacer par ici certainement, on efface ici et on prend la suite par là. Voilà. Attendez qu'on finisse. Et nous disons bien que Aristote est donc considéré. En réalité, ce n'est pas le point qui continue. Voilà, nous prenons cet écart pour ne pas créer une confusion là. Aristote est considéré. Voilà, ne créez pas l'écart là, c'est nous sommes sous l'historique. Et ceux qui suivent, vous prenez là, la suite de là. Aristote est donc considéré, nous disons, comme le père. De la logique moderne. Comme le père de la logique moderne. Il y a un point. Toutefois, la virgule, Aristote n'a pas employé le terme logique, mettons entre griffes, parce qu'il s'agit là d'un concept que nous parlons maintenant. Aristote n'a pas employé le terme logique comme tel. Voilà, dans ses écrits. Voilà, il n'a pas employé le terme. Mais le terme qu'Aristote a fait usage, nous avions dit au départ que tous les écrits d'Aristote qui sont liés effectivement à la logique, sont rassemblés sous le titre de l'organon, ou l'instrument. Et c'est dans ce livre-là, dans ces écrits-là, qu'il parle en termes de l'analytique, comme étant effectivement, que nous prenons à la fin,
Donc, dans ces écrits, vous prenez la suite. Il y a un point, les traités. Les traités d'Aristote. Les traités d'Aristote se rapportant. Les traités d'Aristote se rapportant à la logique. Se réunissent. Se réunissent sous le titre. Se réunissent sous le titre d'Organon. Voilà, ce que nous avions dit. Se réunissent sous le titre d'Organon. C'est le grand O parce qu'il s'agit là. C'est le titre d'un ouvrage d'Aristote. Se réunissent sous le titre d'Organon. Voilà, se réunissent sous le titre d'Organon. Vous mettez ça, Organon entre griffes également, et nous soulignons d'abord le terme Organon. Se réunissent sous le titre d'Organon ou instrument. Voilà. Se réunissent sous le titre d'Organon ou instrument. Se réunissent sous le titre d'Organon ou instrument. Voyez comment Aristote revient ici. Donc, nous continuons. Et il fait usage, c'est Aristote qui fait là, il fait usage du mot, dans le mot dont nous parlons, il s'agit de la logique. Bon, on peut maintenant revenir ici, parce que c'est ça ce qu'il faut. On revient encore là, il fait usage du mot, voilà, il fait usage du mot. On revient par ici pour justement prendre la suite. Excusez-moi, là, on efface. Quand le tableau est petit, on doit aller là-bas, on revient par ici. Voilà, il fait usage du mot. Je reviens là. Il fait usage du mot. Analytique. Voilà ce qu'Aristote fait comme... le mot qu'il emploie, il fait usage du mot analytique. Retenons bien. Il fait usage du mot analytique. Qui renvoie. Il fait usage du mot analytique. Qui renvoie à une décomposition. Voilà, qui renvoie à une décomposition du discours. Donc, ou du raisonnement. Voilà, qui renvoie à une décomposition du discours ou du raisonnement. En figure du syllogisme. Voilà, en figure du syllogisme. Notez bien, nous avons déjà parlé du syllogisme plus haut. Avant que nous prenions note, on avait déjà parlé du syllogisme. Voilà. Donc, voilà comment ce que Aristote, l'auteur historique du concept, bien que Platon ayant pris conscience de ce que le langage pose comme discours, donc, nous avons justement Platon et Aristote qui vient pour en faire d'abord de ce concept logique en termes d'analytique un problème philosophique du point de vue du langage, du point de vue de la philosophie du langage. Donc, au-delà de cela, il pense que un discours logiquement parlé, c'est un discours qui doit effectivement être construit sous forme d'un syllogisme. Et le syllogisme, nous l'avons défini préalablement, que c'est un discours dans lequel certaines choses étant données, quelque chose d'autre que cette donnée en résulte nécessairement par le seul fait de cette donnée. Donc un discours qui, la conclusion est tirée à partir des deux premières propositions que nous avons appelées dans le discours les prémices. Voilà, c'est cela ce qu'Aristote pense. On va nous parler du syllogisme ici. Alors, nous prenons d'abord la suite par rapport à ce qu'il dit. Le syllogisme
la définition, on revient sur ça. Le syllogisme, on revient à la ligne. Le syllogisme est un discours. Le syllogisme est un discours dans lequel, prenons déjà la définition que nous avons donnée au départ, est un discours dans lequel certaines choses est un discours dans lequel certaines choses étant données. Dans le code, certaines choses étant données, virgule, quelque chose d'autre que ces données, en résulte nécessairement, par le seul fait de ces données. Nécessairement, par le seul fait de ces données. Voilà la définition d'un syllogisme. Nous en avions parlé et nous avions dit, effectivement, dans les explications, ce que c'est qu'un syllogisme chez Aristote. Donc, c'est un discours dans lequel certaines choses étant données, quelque chose d'autre que ces données en résulte nécessairement par le seul fait de ces données. Ça veut dire quoi, le seul fait de ces données-là? S'il faut retenir, c'est ça. Nous insistons sur ça, par le seul fait de ces données. Ici, ça veut dire quoi? Que dans un syllogisme, effectivement, la conclusion que nous obtenons doit sortir des prémices, des deux premières propositions que nous avons intitulées ici-là. Donc, au cas où, dans le discours, la conclusion n'est pas tirée des deux premières propositions que nous avons appelées les prémices, le syllogisme est faux. C'est ça ce qu'Aristote pense. Donc, un vrai syllogisme, un vrai discours qui est bien bâti, doit avoir une conclusion qui est issue des deux premières propositions qui sont tirées de ce discours-là. Donc, la suite, nous prenons ceci, et le syllogisme se compose de trois propositions, dont les prémices, et la troisième, la conclusion. Voilà, et la troisième, la conclusion. Voilà comment un syllogisme bien organisé, un syllogisme bien construit, un discours bien construit, doit avoir ses trois propositions que nous avions dit sur l'Aristote. Les deux sont les prémices, donc ce que l'on doit affirmer à propos d'abord du sujet, et la troisième que l'on tire de ces prémices-là, c'est la conclusion. Donc si, dans ce discours-là, la conclusion n'est pas tirée de ces deux premières propositions-là, pour Aristote, le discours est faux. Donc nécessairement, nous devons tirer la conclusion à partir de ce qui est dit, ou ce qui est dit, affirmé ou nié, dans notre discours. Alors, donc, regardons cela, nous allons prendre effectivement un exemple d'un syllogisme ici pour notifier que l'objectivité d'un discours ou d'un syllogisme Aristote tient compte de sa forme. Donc, nous prenons ceci, c'est pour dire que l'objectivité du discours,
ou du syllogisme, parlons du syllogisme. L'objectivité du syllogisme est garantie. Est garantie par sa forme. Voilà, l'objectif du syllogisme est garanti par sa forme. Donc, on ne peut pas, effectivement, juger un syllogisme qui soit juste, effectivement, si la conclusion qui en découle n'est pas tirée, effectivement, des deux premières propositions. Là. Donc, chez Aristote, c'est cela. Donc, un syllogisme qui est légal, qui est valide, qui est conforme, est jugé en fonction de sa forme. D'abord, ça dit de l'agencement des idées, de la rigueur de votre raisonnement. Et nous allons prendre l'exemple de ce syllogisme-là. De ce syllogisme, par exemple, je dis ceci. D'après lui, c'est Aristote. D'après lui, la vérité logique est formelle. La vérité logique est formelle. Elle ne tient pas compte, effectivement, du contenu du discours. Mais seulement de sa forme. Voilà. Voilà ici. Donc, nous allons prendre exemple d'un syllogisme suivant. Exemple. La proposition suivante. Donc, un syllogisme que nous allons prendre comme exemple. Nous allons prendre un exemple ici sur la proposition là. Exemple de la proposition suivante. Donc, nous allons voir que Aristote, effectivement, prend un bon raisonnement logique, non pas par rapport au contenu du discours, mais il tient compte que de la forme. Et si ce que l'on dit ne correspond pas par rapport à notre rigueur interne d'abord des idées, pour Aristote, le discours n'est pas bien. Donc, nous prenons l'exemple de cette proposition-là. Nous effaçons cette partie-là et nous disons là, et on va justement regarder par rapport à ce que Aristote nous dit, par rapport à ce que l'on entend par un discours logique valide. Alors, la proposition est là. Donc, par exemple, là, nous disons, mettons ça comme ceci, tous les Congolais sont philosophes. Voilà. Or, les Brazzavillois sont Congolais. Voilà. Or, les Brazzavillois sont Congolais. En conclusion, qu'est-ce qu'il faut? Nous déduisons là. Donc, voilà. Le syllogisme, c'est ça. Il y a trois propositions. Les deux là sont appelées prémices. Donc, ce que nous affirmons ou nous nions dans un discours. Et la conclusion ici doit être tirée de ces deux premières propositions que nous disons dans notre théorie là. Donc, voilà ici, nous allons juger. Vous allez voir, point de vue de la forme, est-ce que le discours est légal? Et point de vue du contenu, est-ce qu'il est légal? Donc, conclusion, qu'est-ce qu'on doit dire? Si tous les Congolais sont philosophes, or, les Brazzavillois sont Congolais, donc la conclusion, nous disons quoi? Les Brazzavillois sont philosophes. Voilà la conclusion. Donc, les Brazzavillois sont philosophes. Voilà un syllogisme.
Mais dans ce syllogisme, le prédicat, c'est ici. C'est ce que nous affirmons à propos du sujet qui est ici, congolais. Dans le prédicat que nous avions dit, c'est ce qui est affirmé ou nié dans le discours. Le prédicat ici, c'est philosophe. Et le sujet, c'est congolais. Voyez la fin de ce discours-là. Donc, tous les Congolais sont philosophes. Or, les Brazzavillois sont congolais. En conséquence, c'est que les Brazzavillois sont philosophes. Voilà la fin de ce discours-là. Et en réalité, point de vue formel, le discours est légal. Le discours est légal. Pour Aristote, nous en tenons compte que de cette forme-là. On ne va pas dans la profondeur, c'est-à-dire du contenu de ce discours-là. Parce que là, si on va dans le contenu du discours, nous verrons que tout est faux. Le discours est faux. Tout est faux. Parce que tous les Brazzavillois ne sont pas philosophes. Tous les Brazzavillois sont philosophes. Or, pour bien comprendre le sens de ce syllogisme-là, nous devons tenir compte que de la structuration, de la rigueur interne de notre raisonnement. Nous disons tous les Congolais sont philosophes. Or, les Brazzavillois, c'est une ville, on dit. Donc, les Brazzavillois sont des Congolais. En conséquence, donc, les Brazzavillois sont des philosophes. Donc, par rapport à ce raisonnement, il est intègre, il est rigoureux. Voilà pourquoi nous disons ici, cela Aristote, nous ne jugeons pas la vérité logique tenant compte du contenu, mais nous jugeons la vérité logique par rapport à la forme, à la structuration de notre discours. C'est par rapport à cela. Voilà ainsi ce que nous avions eu à comprendre sur notre leçon du jour, effectivement, qui est portée rien que sur la définition de la logique. Et après, nous avions vu l'historique de ce concept-là avec justement Aristote, que nous avons considéré ici comme effectivement le pionnier, c'est-à-dire celui qui a fait de ce concept-là un problème philosophique concernant la philosophie du langage. Bien sûr que Platon, ayant pris conscience des difficultés que notre langage est confronté, mais c'est Aristote qui prend la notion et qui le ramène sur la scène philosophique et dans le cadre de la philosophie du langage. Comment nous devrons faire pour parvenir à la vérité ou à la connaissance qui soit fiable? Alors, il y a un mécanisme que nous devons respecter. Voilà pourquoi ici, nous avions compris la logique comme étant, effectivement, une science qui étudie les lois de la pensée. Une science qui étudie comment notre raison doit prendre appui pour fonder une connaissance qui soit rationnelle. Voilà l'historique que nous avions fait. Je crois que je vous félicite là où vous êtes partout et que chacun de vous a pu prendre note sur ce qui est dit. Et au départ, je vous ai dit, à la fin de cette notion que nous avons étudiée aujourd'hui, la définition de la logique, que vous devrez être à la fin au moins capable, chacun de vous, de pouvoir définir la logique par rapport à ce qui vient d'être dit, par rapport à la science. Donc, je vous remercie partout où vous êtes, effectivement, et vous préparez pour la prochaine séance, en dehors de l'historique que nous avions vu. La prochaine fois, nous allons justement parler du fonctionnement du discours logique. Comment un discours logique fonctionne? Nous avions parlé de la définition. On a vu l'historique du concept avec les auteurs, certainement, comment la notion est employée jusqu'à aujourd'hui. Et la prochaine séance, nous allons maintenant nous fonder sur le fonctionnement du discours logique. Et quels sont les principes qui conditionnent notre discours? Est-ce qu'on doit raisonner dans le néant? Est-ce qu'un discours logique doit avoir des appuis? Et voilà ce que nous allons voir pour la prochaine fois. Je vous remercie partout où vous êtes, chers élèves. Et à la prochaine séance. Merci.